Le risque d'une relation telle que la nôtre, ancienne, riche, c'est que le focal ou le focus conduise peut-être parfois à la rétrécir. Et nous sommes en fait face à deux risques. D'abord, ce qu'on pourrait appeler la tyrannie de la subjectivité, c'est ramener notre relation, cette relation à un huis clos finalement, à quelque chose qui... Compter toutes les années qui me séparent de mes années d'étudiant. Et donc c'est toujours très stimulant. Et c'est l'occasion de rencontrer à la fois les professeurs, parce qu'ici c'est une université extrêmement prestigieuse, extrêmement connue, ancienne. Et puis aussi, je pense tout à l'heure, quelques-uns des élèves. Alors le sujet que je vais traiter, pas très original, parce que c'est l'avenir des relations franco-marocaines, mais je crois qu'il est très important et qu'il est d'actualité. Donc il faut juste espérer que je serai à la hauteur de l'auditoire. Mais en tout cas, je viens ici avec un grand sentiment d'honneur qu'on m'ait offert cette tribune et l'espoir de pouvoir non seulement donner mon point de vue d'acteur aussi de cette relation, mais aussi peut-être d'écouter certaines des questions pour mieux saisir quel est l'état d'esprit. Parce que pour nous, bien entendu, la relation franco-marocaine, elle se structure au plus haut niveau de chacun de nos États depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais elle a aussi vocation à être une relation entre les peuples. Alors peut-être que dans ce domaine-là, quelque chose mérite d'être revu, corrigé peut-être et amplifié. En tout cas, ça, j'en suis certain. Pour une série de rencontres diplomatiques, et ce sont des rencontres initiées par le département de droit public pour des débats sur les défis actuels et en particulier aujourd'hui sur les relations entre la France et le Maroc, dont il convient de rappeler qu'ils sont d'une densité tout à fait exceptionnelle. إذن هذا اللقاء يندرج ضمن ما نسميه في كليتنا بالخميس الجيوديبلوماسي. كان تقليد دأبنا عليه منذ سنوات. والمهم في هذا الأمر هو أنه نستدعي مجموعة من الدبلوماسيين. ارتئينا أن نستدعي لأول وهلة سفير فرنسا سيد لو كورتيي. بالنظر إلى التطورات الأخيرة لهذه العلاقات على مستويات مختلفة، إن تعلق الأمر بالجانب الثقافي الاقتصادي السياسي إلى آخره، نطلع إلى أكثر بطبيعة الحال لتقوية هذه العلاقات. ومن منطلقنا كمؤسسة جامعية نعتقد بأن لدينا ما نقوله في هذا المجال، وأيضا تقييمنا لهذه العلاقات في ضوء التطورات الأخيرة المستوى الجيوسياسي الدولي الإقليمي إلى آخره. فيمكن أن نقول في آخر المطاف بأن هذا اللقاء يتيح للطلبة بالخصوص وللأساتذة الباحثين وللمتبعين بصفة عامة أن يتتبعوا أو يتابعوا يعني التطورات العلاقات المغربية الفرنسية، خصوصا بأن السيد السفير هو على علم بما قطعته من أشواط، والآن كما قلت في أفق 2024 نطلع إلى علاقات قوية على مستويات مختلفة. هذا هو دورنا كجامعة، نقرب المسؤولين من الطلبة من الباحثين ليستفيدوا من مداخلتهم. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.